Tout le monde, bienvenue pour un nouveau chapitre sur Resident Evil 4 Remake avec le DLC Separate Ways avec Ada Wong. Je vais démarrer le chapitre 2 pour continuer l'aventure avec Ada et voir un petit peu ce qui nous attend. Alors attends, il me dit mallette. Qu'est-ce qu'on a dans la mallette? Bah on n'a pas grand chose. Hein. Donc, hop, on y va. C'est parti, chapitre suivant, le numéro 2. Il m'a chargé de récupérer l'ambre. Un objet synonyme de malheur. Quelles atrocités seront commises en son nom? Et qui en paiera le prix? Parce que dans ce monde, quelqu'un paie forcément. Mieux vaut ne pas poser de questions. Ça, je l'avais compris. Je l'avais accepté. Jusqu'à ce que cette nuit à Raccoon City vienne tout changer. Je me dirige vers le point de rendez-vous avec Luis. Les Illuminados sont encore en état d'alerte. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Terminé. Bon. L'église ne devrait pas être. Chapitre 2. Alors, regarde, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Alors, on a déjà récupéré quelques trésors. On a la broche qu'on va pouvoir revendre. On s'est fait un petit peu de thunes, c'est pas mal. Alors. On va essayer de rester un peu le plus discret possible dans cette aventure. On n'est pas censé être là sur le papier. Dans le sens... Oh bah un couteau de cuisine, ça sera utile si le mien il se pète. Ouais, merci. Un autre couteau de cuisine, je dirais pas non. On va essayer de rester le plus discret possible. On est une espionne sur le papier. Ah, et ça rajoute des pesetas au compteur. Logiquement, si je me mets là. Mon couteau de base est cassé, mais c'est pas grave. Au moins, on l'a eu. Une herbe rouge, je prends. Pas toujours utile. De la grande ferraille. Je continue de fabriquer des munitions de fusil à lunettes. Je prépare un peu le long terme du jeu. On sait jamais, le fusil, c'est toujours bien d'avoir des balles. Ok, il y a un coffre là, on va aller tout de suite le chercher. Oh, il m'a pas repéré. Une bague avec une pierre rouge, c'est un deuxième trésor, c'est bien. Voilà, oust. Ok, il y a une charge explosive ici, attention. Parfait. Récupérons tout l'équipement possible, imaginable.
Poudre noire, petite ferraille. Une de pistole, c'est très bien. Donc là, le but, c'est d'essayer d'être le plus discrète avec Aïda sur cette session. Attends, un bruit. Ça m'inspire pas confiance. Hein. Évidemment. Évidemment. Alors, je vais m'équiper d'une petite grenade. Voilà. Ouf. Oh, je l'ai bien bouffé celle-là. Il fait mal le monsieur. Voilà, maintenant ça devrait l'achever. Ouais, nickel. Un saphir. Ok, mamie lance des cocktails Molotov, d'accord. Il a pris feu. C'est pas foutu le feu, mamie. Bon. Alors, c'est un peu enflammé, hein, grand-mère. Comment est-ce, seigneur? Est-ce bien? Oui, bien. Allez. Allez, allez. Voilà. Il y avait un peu de thune, là. Charge un petit peu. On a de la ferraille en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Continuons, on mise sur notre pistolet aussi. Hein. Wow, ok. Ok, vous êtes nombreux. Ah bien joué, connard. Voilà, une tête. Voilà. Une herbe jaune, ça, ce sera bien. Augmenter la santé maximale à terme. Ok, parfait, on va utiliser tout le monde une de nos herbes. Allez, on va reprendre le notre Black Type National. Normalement tout est là. Est-ce qu'on peut entrer dans cette maison? J'ai pas l'impression. Je vais quand même faire le tour. Non, rien. RAS. Donc là, on n'a pas le choix. Il va falloir utiliser le grappin. Voilà. Là, on pouvait pas trop être discret. Tiens. Pas à tant de monde. Je me demande ce qui les rend aussi nerveux. La fille du président. Sans aucun doute. Ouais, ça tombe plutôt mal. Considère la zone comme affectée. Tout le village est touché. J'ai lu le rapport. Je devrais m'en sortir. Ok, Ida. Bon. Tonneau. Encore du TMP, moi je dis pas non. Là, il n'y a rien. Ok.
Salut Momon. Oui, je suis retourné sur cette île de fou. Là, je suis pas encore sur l'île, techniquement. On essaie d'être le plus discret possible pour mener à bien la mission qu'on nous a donnée, à savoir récupérer une ombre pour Monsieur Albert Wesker, hein, qui est quand même le méchant, un des méchants le plus badass de toute la saga Resident Evil. À mon avis, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah, mais c'est la maison où qu'on est bloqué avec Léon. Un couteau de cuisine en plus. Ok. Il n'y a rien dans le meuble. Ah si. Une petite ferraille en plus. Et au fait, Mon, ça va ton PC? Là, t'as réussi à régler le problème. Puisqu'on discutait. Ok. Dommage qu'on peut pas prendre la bouteille. Il a balancé MDR. Regarde, s'il y a des personnes. Ouais. J'ai bien fait de pas sauter, mais ça est combien. J'attends ça lui pour mieux comprendre ce PC. Voilà. Un de moins déjà. On essaie d'être furtif. Hein. Hop, 1200 PC tasse de plus. J'ai cru que c'était un fusil à pompe, mais c'est pas ça. Si on peut être discret, autant le faire. Hein. Voilà, hop. Oh, il y a de la poudre noire. Deux grandes ferrailles, ok. Ok, alors fabriquons un peu de mitraillette. On en aura besoin. Bah, j'espère pour toi aussi, moi, parce que bon. Ah, c'est quand même pas, c'est quand même chiant. Ah, et toi? Oh, lui, il a pas aimé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On est sorti de la villa. J'essaie d'aller tout de suite là pour voir ce qui m'attend. Je me souviens qu'il y a des fois des petits trucs là. Ah, des tonneaux, super. Il y a la poudre noire. Bon, je continue à faire des mines de fusil. J'en prépare pour le long terme, hein, comme je dis. Bon, vous comprendrez. Oh, le joli pichet. Est-ce qu'on peut déjà mettre des objets dedans? Ouais. Il va me falloir au moins un rubis d'une deuxième couleur, de la même couleur rouge ou bleu. Comme ça, au moins, ce sera rentable. En fait, j'avais relu la grille, je me souviens. Pour les. Tout ce qui est objet et ensemble d'objets. Et il faut au moins deux. Alors quand il n'y en a que deux, ça va. Est-ce qu'on peut. On doit aller par là, je comprends maintenant. L'église est pas par là. Ouais, non, mais on ne sait jamais. Oh, attends. Merci. Ah. Alors, toi. Voilà. On les a bien eus, là. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à récupérer? Non. Donc là, on arrive dans le village. Ok. On est sur le moulin, d'accord. Bon, dans le premier chapitre, moi je te spoil, mais on a affronté l'un des gardes du corps de Salazar. Ah bah Léon, il fait des scènes déjà. Pourquoi
Pourquoi ça me surprend pas? C'est gentil de t'occuper d'eux pour moi. Essayons de trouver un autre chemin jusqu'à l'église. Ok. Ça me paraît pas mal par là. Ouais, bah déjà avant, on va voir. Hein. Ah oui, merde, pas le bon. Donc là, mon but... Oh, joli. J'ai plus de couteau, par contre, ça va être chiant. Une spinasse, ça peut toujours servir. Une monnaie d'échange. Bon, on va monter, hein. Donc, pour moi, voilà, hop, c'est quoi ça? Une lampe. Je crois que je vais pas m'éterniser. Bon, alors toi, ma vieille. Hop, merci. Bon, rien, pas de trésor. Ok, il y a des logos. Alors attends, déjà je prends la poudre. Ah attends, ils étaient en dessous les logos. Il y en a un, c'est une espèce de ça, l'autre c'est ça. Alors, journal d'une villageoise. La cloche a sonné aujourd'hui, je ne l'avais pas entendue depuis bien longtemps. Elle sonne lorsque notre Seigneur nous appelle. Tout le village s'est rassemblé à l'église pour l'écouter. Il a été d'une grande bonté, et comme toujours, nous entrons en symbiose, nos esprits ne font plus qu'un. Il a même dit que les miracles que nous créons ici illumineraient bientôt le monde entier. Quelle sagesse, quelle compassion! Grâce à la bienveillance de notre Seigneur, nous recevrons le remède contre la folie, vivement que la cloche sonne de nouveau. Ok, alors... Je crois que c'est en celui-là et celui-là, je les reconnais. Mais c'est le dernier. Je crois en fait c'est deux symboles différents. Alors, lui, l'œil, l'espèce de. Là, alors attends. Non, c'est pas lui. Alors attends, faut que j'essaie de rappeler donc. Les deux là, c'est sûr. J'aurais dit le deuxième là et le dernier. Non. C'est pas cela. On va recommencer. Donc lui, c'est espèce de truc de gémeaux. Oh mais attends, il y a un truc là, quoi? Là, j'en ai pas loupé d'autres avant. J'essaie de retourner pour voir un petit peu ce que ça donne d'ici. Ah bah. T'as complètement zappé toi. Voilà. Donc là, il n'y en aurait qu'un. Là, il n'y en a qu'un, si j'ai bien compris. Là, il y en aurait deux. Oh, attends. Il est là, celui qu'on cherche. Face au médium, nous ne pouvons pas laisser cette satanée secte faire ce qu'il lui chante. Quelqu'un pourrait-il nous débarrasser de leur médium bleu? La zone est souillée par leur présence. Ah merde, j'en avais loupé, d'accord. Bon, on va les faire tout de suite. Évidemment. Pas mal. Ok. Suivant.
Alors lui, j'ai l'impression que... Ah non, c'est peut-être les trois en fait. T'as 1, 2, 3. Ouais, donc ok, c'est les trois ici. Et le dernier. Bon, on va y aller au fusil à lunettes pour les trouver. Ah, ok. Le dernier était la troisième est là. Et le dernier, je pense qu'il est par là. J'ai pas d'autre explication. Là-bas. Je t'avais pas vu. Excuse-moi. Ok, la première chasse au médaillon, elle est bouclée. Donc, logiquement, les trois. Voilà, ok. Bon, ça c'est fait. Il y en a encore? Ça y est, la voilà l'église. Ok, nous voilà à l'église, effectivement. Alors, est-ce que on va aller faire un tour de l'autre côté tout de suite pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous attendrait? De se faire un peu de thune. Non, pas aller S'ouvre par là. pas. Ok, on récupère un peu de munitions de TMP. Oh, pour continuer de se maximiser les balles de pistolet. Bon, Léon, il fait des siennes là, ok. Ils ont bien, ils respectent bien l'ambiance, hein. Donc là, on est au début du jeu, hein, comme, même si nous, on a déjà au chapitre 2. Léon est toujours au premier chapitre, entre guillemets. Il est assez drôle. Ok, une villageoise qui patrouille là. Là, il y a une cabane, si je me souviens bien, ouais. Vite. Oh shit. Attention. Oh, joli coup de pelle dans mon dos là. Alors, par contre, ça j'aime pas ce qui arrive. Aïe, connasse. Des trucs vraiment pas de bol, hein. Bon, au moins on a réussi à réagir. Alors dans le tiroir, qu'est-ce qu'on a? Un couteau de cuisine supplémentaire, je dis pas non. Alors ça donne quoi ici? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ils sont tous arrivés derrière toi, c'est ça, moi j'avoue, ils se sont agglutinés. Hein. C'est bien d'avoir la côte, hein. Encore un faux plan.
On dirait qu'il a besoin d'un coup de main. Ah bah écoute. Ding dong. C'est quand même bien avec l'aventure d'Aïda, tu vois, un autre point de l'histoire en fait. Ça, je trouve que c'est cool. Hein. Tada! T'inquiète pas, Léon. Cette fois, c'est gratuit. Ok, la cloche est faite, c'est fait. Attendre, Louis. Alors, je sais pas si c'est une fin de chapitre, j'ai pas l'impression. On vient de perdre le signal de Louis, quelque part dans les environs du village. Attends-toi au pire. C'est le territoire de Mendes, non? Sa maison est là-bas. Je peux peut-être aller y jeter un œil. Vas-y. Je vais essayer d'en savoir plus de mon côté. Oh, je savais qu'il causerait des ennuis. Ok, une autre herbe jaune, on va tout de suite faire un cocktail vert et jaune. Encore de la grande ferraille, ça c'est cool. Ils ont fait deux quand même. Hop, comme ça, je tout de suite fabrique un peu de TMP. Bon, je peux pas aller à l'église malheureusement. Faut que j'aille dans quel sens là? Par la place du village, ok. Alors je vais explorer un petit peu avant d'y aller. Peut-être que je vais récupérer de l'équipement. D'accord. C'est pas un succès pour tirer dans la cloche par hasard, non. Vraiment, on peut passer par ici. Et c'est tout. On peut pas aller là, il y a une caisse qui gêne. C'est un point d'équipement. Poudre noire, poudre noire. Une photo. Ah, mais c'est la fille du président. Photo d'Ashley, gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Léon doit être là pour la sauver. C'est sûr. Pourtant, un petit cling cling, je sais pas si vous l'entendez aussi, mais... Alors sinon les requêtes... On en a déjà fini, on a combien dans le jeu? 1, 2, 3, 4, 1, alors, 1, 2, 3, 4, il y en a 7. Et j'ai regardé, dis-moi, comme assez sympa le jeu. J'ai entendu parler de ce jeu, j'ai cru comment qu'il devait sortir prochainement, ou qu'il est déjà sorti, je sais plus. C'est un autre jeu que j'attends, Siethering, c'est le jeu Terminator, là, qui se passe dans... Oh putain, ils sont nombreux, les cons. Merci. Oui. Et c'est dit, faut te calmer mon vieux, hein. N'inquiète pas les gens comme ça. Oh, des lunettes.
Ouais, on fait pas peur aux gens comme ça, monsieur. Oh. Ah bah, il y en a d'autres, MDR. Attends, j'ai une idée. Ah, si ça passe, c'est beau. Dépêchez-vous. Bon, on en a eu un. Oh shit. Ah, et double coup de pied dans la tronche, rotative. Ah bah, il y en a encore d'autres, c'est bien. Ils allaient à la messe, il y a des Espagnols. Non, oui, on peut pas leur reprocher qu'ils sont très pratiquants. Alors ça, c'est sûr. On va refaire quoi? Coup de pistolet. Et je vais utiliser l'un des deux pour augmenter ma vitesse globale. On sait jamais. On a encore un. Ah, je vois une flamme familière de loin. Coucou, mon ami. Hé, hey, étrangère. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Drôle d'endroit pour ouvrir une boutique, étranger. Peut-être, mais on dirait que j'ai bien fait. Bien, c'est la première fois que nous faisons des affaires ensemble. Alors faisons en sorte de marquer. J'aime bien la petite réplique d'Aïda, hein, le petit clin d'œil au. Ah, ils ont été bienvenue. Au bar pas du marché. Mal du tout, mon ami. J'ai réussi à mettre la main sur quelques raretés étrangères. Étrangère, j'aime bien comment il précise. Bah déjà on va réparer notre couteau. Comme neuf. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Alors ça on va revendre, ça on va revendre. Ces deux là on va les garder. Donc là on se fait déjà. Trésor ou babiole, ça n'a une affaire bien conclue. Alors mon couteau. Déjà je vais voir un peu ce qu'il nous offre. Offre spéciale, le W870 canon scié. Oh, ça t'en aura pour ton argent, je te le garantis. Un petit fusil à pompe, j'ai envie de vous dire, moins 20%. Ce petit bijou est on ne peut plus maniable. Il sera parfait pour toi. Ok. La crosse de TMP, je dis oui. Tiens, étrangère. La mallette. Tiens, allez. Étrangère. En quoi? On a pas mal de bonnes choses là. Ah, je l'adore le fusil là en plus. Je l'adorais dans les daons, dans l'original. La seule chose qui change, c'est sa couleur. Donc lui, on va le garder peut-être pour des combats de boss. Hein. Bon, on améliore un peu aussi notre couteau, on va en avoir besoin. Non, on n'a rien amélioré en fait. Pas pour te faire tuer, hein? Et attends, avec mes spinets, je peux peut-être acheter un. Bienvenue. Mais Spinner, je peux acheter les cartes au trésor, j'y pense. Hop. Un choix original. Oh, dans le bon sens du terme, évidemment. Il y avait le rub. On avait un rubis. Je me demande s'il n'avait pas un jeu dans le J'ai essayé de tuer d'un héros sans qu'il le cherche. Bonne intuition, étrangère. Il nous reste encore des clés. On a le bracelet élégant. Une petite clé comme ça, ce sera pas de oh, refus. Bon, on doit aller là-bas. Ok, on a des petites choses à faire ici. Bon, déjà, on sait qu'on a. Essayez de dénicher des trucs dont tu pourrais avoir besoin. Ouais. On va essayer de retrouver ces foutus trésors. Appel de Clémenté. Maître, en y repensant, c'est plutôt c'est étrange qu'Isidro m'ait épargné. Depuis que cette créature revenant m'a blessé, je me sens bizarre. J'ai commencé à avoir des choses, des hallucinations. Le ciel change brusquement. Et c'est comme si je me retrouvais plongé dans un autre monde. Puis cette chose apparaît, mais cette fois, il y en a des centaines. Mais maître, je vous en supplie, n'y a-t-il pas un moyen d'échapper à ce cauchemar? Ça me rappelle un air déjà vous, ça. Voilà.
Un bleu velours de plus. Eh ben attends. Je vais mettre tout de suite les deux pierres ensemble. Oh, 12 000, parfait. 14 000, hein. On va tout de suite aller les revendre, on va être sûr comme ça. Ah, attends, c'est quoi ça? Une poudre noire supplémentaire. Oh, joli, bonus de création. On est pas mal avec le TMP. Excusez-moi, vieux. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une affaire bien conclue. Le fusilier, je vais pas l'améliorer parce que je pense qu'on aura le deuxième. Par contre, je vais essayer de garder le pistolet d'Aida. Alors, j'ai amélioré la capacité. La vitesse de rechargement, ça pourrait être utile. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Alors, on a encore 3500. Je vais prendre le porte-bonheur de Donjon Z pour avoir plus de munitions de pistolet. De temps en temps, ça fera pas de mal, j'avoue. Ok, où est-ce qu'il est que je cherche ça? Ah oui, il faut que j'utilise la sauvegarde, je me souviens, c'est bon. Allez, plus on aura une mission de pistolet, mieux on se portera. On va sauvegarder tout de suite. Hop, on a 10 balles avec lui. Élément, on va prendre la crosse de TMP. On va équiper pour voir ce que ça donne. Meilleure stabilité, bien sûr. Et dès que possible, là, on va essayer de garder ça. Sadler, le chef de la secte. Évidemment. Une petite ferraille. C'est toujours utile. Attends, j'essaie de me rappeler ici. Non, ça va, je croyais qu'il y avait un moment, il me semblait qu'avec lui, il y avait un serpent. Bah tiens. C'est quoi ça? Oh, le flux qui a bien cramé. Ok, il est de retour. Le relou. Attention. Ah zut, bien joué. Il faut que j'essaie d'avoir le réflexe. Ok, alors qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ok, il va pas me lâcher, j'ai bien compris. Ok, bah c'est un boss. Ok. Bon, les trois balles n'ont pas servi à grand chose malheureusement. Ok, c'est ok, d'accord, il fait des attaques de saut. Il va recommencer dans mon dos, ça. Ok, la fameuse attaque du cynogène. Ah. Voilà.
Ah ouais, tu... Wow. D'accord, ok, j'ai compris. Monsieur peut se TP, c'est... J'ai un peu du mal avec ces moves. C'est autre chose. Ouais, bien sûr. Juste au moment où je passe, hein. Mais j'ai sûr. Attention. Vite. Voilà. Monsieur qui montait dans le bâtiment de revenir. Lui, il est où? Le brouillard, il s'épaissit. Ok, il est là, c'est lui l'autre. Attention. Ah ouais, il va commencer à se cloner, ce con. Bah, écoute, tu sais quoi? On va combattre le mal par le mal. Ouais, bien sûr. Ok. Sérieusement? Mais vraiment? C'est pas lui. Ah voilà, il m'a eu dans le dos. Refaire, hein. Donc il se pourrait pas éviter de mourir, mais bon. Qu'est-ce qui va être chaud? Bon, allez. Oui, quitter le mode photo. Attention. Ok, on a récupéré des trucs. On va essayer de tout récupérer. On se monte derrière. Attention. Bah tiens. Ok, phase hallucinatoire lancée. Ouais, bah oui, je lance mon attaque melee, bien sûr. Évidemment. Ok. Je vais essayer de fabriquer ça. Ouais, bah oui, il me touche à chaque fois, bien sûr. Et là, le souci, c'est que je peux pas utiliser une grenade parce qu'il bouge trop, en fait. C'est ça le problème que j'ai. Attention! Attends, j'ai une idée.
pour une attaque gratuite. Ok, il va se barrer encore une fois. Oh, bien sûr. Plus 2000 de pistole, allez. Le pistolet ne servira pas là. Ok. Enfin. Ok. Faut que j'arrive à pas me planter. Faut pas que je perde de vue. Ok, j'en dis. Wow. Attention. Oh, j'appuie sur B, monsieur. Non. Oh. Ah bah enfin. Oh, ça pue, ça. Chose sûre, il a pas aimé, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? À mon avis, t'as dû te faire infecter, ma grande. Hein. Ok. On va déjà explorer le coin. Maintenant, la maison de Mendes. La poudre. Y a rien. RAS, RAS. Grenade, je prends. Niveau pistolet, on est là. Le fusil, on ne l'a pas trop utilisé non plus. Je voulais l'éviter sur ce combat. Ça aurait servi à pas grand chose, à mon avis. Cartouche de pompe, ça c'est toujours très utile. Un peu de TMP. Sans façon. On va recharger tout de suite notre fusil. C'est ici qu'il y a un trésor, je pense. C'est fermé. Mais je pense qu'on peut faire le tour vu qu'on a le grappin, ouais. Yes, I speak a little English. I am able to speak. Welcome. Sorry mate, I am not interested, but I am not interested. I have my work already done by another people. Okay. On a récupéré ça. Du parfum, c'est toujours bien. Ok, ça c'est fait. Maison. Grenade aveugle, donc très utile.
C'est dans la pièce derrière, ok. Je me rappelle, il y en avait un qui était planqué là, avec Léon. Il voulait pas aller à l'église comme les autres. Allez, hop, c'est quoi ça? Un saphir, c'est toujours bien. Des caisses. Parfait. Faut que je retourne à l'intérieur. Oh la poupoule. Ah, ça donne pas d'œuf, dommage. Ça me dit qu'il y a un trésor là, c'est ça? Il est récupéré, non? Alors, t'es en train de me dire qu'il y en a un deuxième. Là, il est là. Je vais retourner là. Il y a une explication. Pour ce petit tintement là. Ok, donc pour moi, il est sur le. Attends, tu as aussi un point d'exclamation. Ce qui veut dire que je peux pas y accéder tout de suite. C'est ça que je comprends. Ah ok, peut-être que je devrais le revenir plus tard. C'est ça que ça veut dire. Bon, je vais pas me poser 36 questions, écoute. Déjà, je vais récupérer ce qu'il me faut. Alors, je prends... Ok, pour le moment, je peux pas venir. Attends, moins que... Bah si. Ok, donc je peux pas revenir là pour l'instant, ça marche. Est-ce que je... Tu vois, je peux aller dans la tour. Est-ce qu'ils l'ont fait s'effondrer direct ou pas? Ouais, tu peux pas y retourner. Ils ont forcément que ça s'écroule. Ça, c'est cool. C'est noté. Oh, attends, une lampe verte. Là, je peux pas y aller pour l'instant. Je pense que je devrais y retourner plus tard, ça, c'est sûr. À moins que... À moins qu'il y ait un accès que j'ai loupé. Non. Là, je peux pas y aller. Je dirais qu'à l'église, j'ai loupé un coffre. Bon, attends, je vais retourner à l'église déjà, j'ai peut-être loupé un truc et je repasserai chez le marchand comme ça. Peut-être faire des petites upgrades hein, sur la route. Et on vendra déjà la bouteille de parfum. Bienvenue, étrangère. En quoi puis-je une affaire bien conclue. Et voilà, comme tu l'as demandé.
Le pistolet sera un peu performant comme ça. Une arme modifiée, bien. J'espère te revoir bientôt, étranger. Je crois qu'il manque un trésor là-bas. Ils sont quand même chiants ces trucs d'art là, anglophones là. J'ai déjà fait mon truc il n'y a pas longtemps, c'est bon quoi. J'ai rien contre ceux qui vivent de ça, au contraire, mais c'est chiant quoi. Dès que t'es streamer, ça il tombe dessus quoi. Là non. Non. Là, il y a rien. Dans le nid. Un rubis, putain. Je suppose qu'on peut pas aller par là, non, c'est barricadé. Bon, allez, ça c'est fait. Bon, notre pistolet sera un peu plus performant face à d'autres menaces comme ça. Ça c'est cool. On lui a amélioré quoi le pistolet, je dis pas de bêtises. La puissance, la capacité de rechargement, un peu de cadence de tir et là il sera top. Et il est pas mauvais hein. Il est vraiment pas mauvais hein. Le pire, c'est à date de par contre, tu n'avais que celui-ci du 5/9/2023. J'étais à deux doigts de le bannir, hein, mais bon je me suis dit je vais pas être un enculé non plus. Hein. Il m'a juste demandé, il a été poli. Il y en a d'autres qui te suivent et tout. Puis voilà, mais lui, il fallait pas le bannir. Hein. Dans le sens où. Bah. Je me demande s'il faut pas que je passe par en dessous en fait. Je me souviens qu'il y avait un truc avec les grilles ici. Ouais, ouais, il a été pollué largement. Bon, là, je ne le nie pas. Ah bah. Là, je peux pas y aller. Tu veux que j'aille où alors? Ah bah lui. Oh, cette odeur de chair brûlée. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Tu m'étonnes. Merde alors, tu veux que j'aille où? Pour toi, faut que j'aille par là, hein. Ça, je suis quasi sûr. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Je dois aller à la maison de Bitores Mendez. Oh, tu vas voir que c'était par là. On paraît que c'est par là tout con. C'était par là. Bon, pas de regret. Je pense qu'il faudra qu'on revienne plus tard avec quelqu'un ici. Ça devrait plus être loin. Pourquoi je m'accroupis, on ne sait jamais. Un peu d'or et de pesetas. L'émission de pistoles, je vais arrêter pour l'instant, mais bon.
On va encore essayer de cumuler un peu de poudre. On va se préparer un peu pour le pompe aussi, qui est pas mauvais en soi. Ok, il y a deux trésors ici. Mais c'est dû, faut se calmer, monsieur. Ah, petite référence au premier Resident Evil 2 et 3 avec Undo. Bittoré, c'est toujours dans le coin. Ok, donc c'est le chapitre 2 qui se termine. Il y a un beau chapeau de méchant, ouais, j'avoue. Mais tu vois quand même qu'ils ont réutilisé de Resident Evil 2 Remake le profil de Mister X, entre guillemets, c'est fort. Le résultat du chapitre, bon, on est mort une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des points supplémentaires. Alors, on a tué 40, on a eu fait une mort, une à 365-6%, ouais. Mais globalement, ça a été, hein. Donc voilà, j'espère que ce chapitre 2 vous a plu, un petit peu plus long, mais plutôt sympathique. Prenez soin de vous les amis, ciao ciao.